Bonjour, vous entendez ici Morgan von Brella. Et on se retrouve sur Moonbeat de la mort. Bonjour Claire. Merci encore. Depuis la dernière fois, le jeu a reçu un patch. Il y a eu des buffs, il y a eu des nerfs. Notamment le Twin Fine Z de Yann qui Si vous vous souvenez, j'arrive à parler, grâce au patch de vol de vie, cette attaque qui faisait des dégâts légers à tous les ennemis et à Yann lui-même, bah en fait il se régénérait, donc c'était juste gratuit. Et bah ils l'ont nerf. Maintenant ça fait des dégâts minuscules. C'est terrible. Donc on verra si malgré ça c'est encore... C'est déjà ouvert. Si c'est encore ce qu'on a envie d'utiliser ou pas. Ou tu copes qu'on ne peut pas atteindre. Et donc on va retourner à l'obsède de récupérer Ibrahim. Et où est ta tête au poisson? Attends, quoi? Exactement ce que j'ai dit. Ah! Le poisson qui chante! Non! Pourquoi? Quelqu'un a volé mon bébé. Mon bar. Ok, il est où? Hein? Tu crois que je suis débile? Allez, amenez-le! T'as toujours été jalouse du talent de Baby! De quoi tu parles? C'est un putain de poisson en plastique! Ah, tu pouvais pas supporter l'idée qu'il te remplace dans le groupe, hein? Alors tu as éliminé la menace! Je te vois, hein? C'est pas moi. Tu sais que ça peut pas être moi. J'étais avec toi pendant tout ce temps. Peut-être que la forêt en a enfin eu marre que tu fasses jouer tout le temps, hein. La gueule. La forêt n'en aura jamais marre. On doit trouver le coupable. Eh, ok. Que quelqu'un a envie, il a vu quelque chose. On peut demander. Ouais, t'as raison. Allons acquisitionner les manants. J'espère que Brief s'est enfin réveillé. Est-ce que tu as un coup de main? Est-ce que moi pas? Hey! Ouh! Putain de tente. Hey, salut! Ah, ça doit être le fameux Yann! Du tout que moi j'avais fait, j'ai fait la pire. Salut! Il faut qu'on parle. Oh oh. Il se trouve que la baston des groupes, c'est un peu plus que de la musique. Ouais, c'est le fait que c'est à la mort. Ah, tu savais déjà? Ouais, il y a un canard en costard qui nous a tout raconté. Enfin, non, il était pas en costard, il était en... Mais si, il était en costard, c'est un pingouin. C'est le pingouin? Non, c'était Kakouak. Ouais, un pirate nous a tout dit. On espérait qu'il se foutait de notre gueule. Et on dirait que non. Non, et puis merde, on n'a qu'à pas participer. On peut avoir notre propre battle de musique dans le parc, et ce sera non létal. Ah, c'est seulement... La malédiction qui nous a été infligée, c'est basiquement une condamnation à mort. Tous ceux qui sont maudits... Tous ceux qui ont encore la malédiction quand le tournoi prend fin, mourra. Une fois que le vainqueur est déclaré, la malédiction ne sera levée que pour le groupe vainqueur.
Quoi? J'aurais vraiment dû lire le contrat. J'aurais vraiment dû lire le contrat avant de le signer. On avait juste tellement hâte. J'aurais jamais dû vous inscrire, je suis désolé. Je suis trop stupide. Donc, même si on reste sur la touche, on va juste tomber mort une fois que la compétition est finie. Ouais, c'est l'idée. Le seul moyen de s'en sortir vivant, c'est de buter tous les autres participants jusqu'à gagner. Et ça veut dire... Ah! Oh non, il va falloir tuer les platines délicieuses. Attendez, c'est terrible. Eh ben, c'est chouette. Eh ben, raison de plus pour aller trouver Babi immédiatement. Quoi? Mais quel rapport avec ce foutu poisson? Est-ce que t'as écouté au moins? Et toi, t'as écouté? Babi est un atout puissant. Ses talents musicaux sont dits d'élégants. Et maintenant que la musique est devenue une arme, si Babi est tombé dans de mauvaises mains, ça pourrait être un désastre pour nous tous. Honnêtement, Yann, t'as un problème. Oh oui, j'ai un problème, et c'est Babi la solution. Mais d'abord, il faut aller raconter tout ça à Bryce. Ah, c'est pareil. Et j'ai une idée. Et si on lui disait pas? Ne pas ne rien lui dire, ça va pas la tête. Et pour être parfaitement honnête, il agit de manière un peu bizarre dernièrement. Je sais pas s'il sera capable de gérer ça. Je suis sûr qu'on peut tout réparer et il a jamais besoin de savoir. Qu'est-ce que t'en penses? D'accord. Je serai ton partenaire de crime. Mais comment tu t'attends à lui cacher tout ça? Je ne sais pas, ça va pas être compliqué. En tous les cas, faut le trouver. J'avais encore des quêtes secondaires qui traînent. Et donc je suis là ici avec Brief, le batteur de Death Purge. L'un des groupes qui a eu l'audace de s'inscrire à la baston de groupe. On s'est inscrit à quoi? La baston des quoi? Le tournoi des bastons de groupe! Où tous les groupes ont reçu une malédiction qui leur permet de littéralement se tabasser avec de la musique. Waouh! Peut-être qu'un de vos membres du groupe vous a inscrit à votre place. Ça veut dire que je peux soigner avec de la musique aussi? Oui, tout à fait. Oh ouais? Il faut la mettre. C'est plutôt surprenant de voir que des gens s'inscrivent à ça, considérant les... ce qui est en jeu. Un jeu? Vous voulez dire genre l'humiliation de la défaite? Non, je veux dire... Brief! T'es réveillé! Hey Yann! Alors, c'est quoi cette histoire de bénédiction musicale? Tu veux dire la malédiction? Une malédiction qui te rend encore plus intimement lié à la musique? Moi, je dis que c'est une bénédiction! Changer de voix. Brief, j'arriverai jamais à le faire. Ok. T'es papoté! On a des affaires urgentes à régler! Babi a été volé! Babi a été volé! Oh non! Ça doit explaire le. Ça... Explaire? Oui. Ça doit expliquer le. Le déséquilibre d'énergie majeure que j'ai senti récemment! Non, je suis. Je pense que c'est juste la malédiction. Non, oui, par raison, le déséquilibre de Babi. Ah,
Ryan, t'es juste d'accord parce que ça suffit, Fine. Juste parce que toi, t'en as rien à foutre, ça veut pas dire que t'as le droit de décourager les autres. Tant que cette tragédie arrive juste après qu'on ait reçu aussi puissante malédiction, est-ce que ça pourrait être... Oui, oui, ça doit être ça. Mon destin. Ça encore. Bah Yves, de quoi tu parles? Ah non, non, mais elle est mon avenir l'autre jour. Tirer une combinaison de cartes rares. Et après, il dit qu'un jour, il y aura une heure où je serai mis à l'épreuve. Et si je surmonte l'épreuve, à l'aide d'amis, je deviendrai un héros destiné à la grandeur. Elle devait parler de ça. L'épreuve, c'est sommer, mamie. Et d'accord, ok, bah, on va pas vous retenir. Je pense que je parle pour tous les téléspectateurs de Happy's qu'on a hâte de vous voir en action. Ouais, allez, on dégage. Ok, j'attends ça démarche. En fait, avant que vous vous alliez, est-ce qu'il y a moyen de se désinscrire du groupe, de la passion des groupes? C'est pour un ami. Oh, eh bien, est-ce que ton ami a des remords? T'as compris un cible? Eh ben, tu peux peut-être aller voir ça avec le démon. Le démon qui fait les inscriptions? Oui, c'est son émission de télé, après tout. C'est dommage qu'il soit plus là, hein. Vous savez où il allait? Aucune idée. Il parlait de... travailler un gros poisson sur une plaque et il est disparu, j'ai pas fait gaffe. Oh, c'est Babi. Si on trouve Babi, on trouve Dalmo. Ouais, j'imagine que je vais devoir aider à trouver ce foutu poisson par contre. Bon allez, c'est tout, faut que j'y aille. Désolé que ton ami ait les chocottes. Elle avait l'air sympa! Elle a une super énergie! Non, bah j'imagine qu'on va devoir aller trouver Babi. Oh, Faye! Je savais que tu finirais par t'y mettre! L'équipe de rescousse de Babi! T'accueille à ce pouvoir! Vu à quel point Babi était mince, ça m'étonnerait que personne n'ait vu quelque chose! Allons poser des questions! Ben, Babi était capable de temporairement faire profil bas, ce qui lui permet de passer à travers les ennemis sans se faire remarquer. Mais ça ne fonctionne que si on n'a pas été remarqué. Ça m'a l'air nul à chier. Faire largement flex. Et Vox. Écoute, si le barman du bec mouillé me demande, dites-lui que j'ai quitté la ville. Et restocker, ça coûte du pognon, pas de problème. Mais j'ai déjà tout ce qu'il me faut. Et pourquoi j'ai des briefs? C'est vous. Vous voulez acheter quelque chose? Pas maintenant, bah. Nous sommes ici pour la justice. De quoi tu parles? Babi a été volé et on a l'air d'en penser qu'il est ici. Oui. Parce que tout ce qui a rapport aux poissons arrive ici et uniquement ici, hein. C'est le truc que j'ai vu, c'est les pages de ce livre et j'ai l'intention de continuer comme ça. Inutile. Y'a quoi derrière cette porte? Tu perds ton temps. Allez emmerder quelqu'un d'autre. On ne sera pas aller derrière. Oui, ma maison déjà. Hein. C'est pas là. Avec code à essayer, c'est que ça va.
Ah non, là c'est la vainqueur. Ah. Oh. Hé, hey, regardez tout le monde! C'est le groupe d'aide belge qui vient d'entrer! Ceux qui ont humilié Kakouak. Ouais, eux-mêmes. Pourquoi il fait aussi sombre ici? Mais il y avait des kilos de débarquer dans le fan club officiel de Kakouak. Dans le QG du fan club officiel de Kakouak après ce que vous lui avez fait. Qu'est-ce que vous avez fait à Kakouak? De quoi il parle? Vous devez bien vous rendre compte que vos actions ont des conséquences. Hein? Quoi? Tu pensais vraiment qu'on allait instantanément devenir un fan club de Dead Punch à la seconde où vous battez Kakouak dans une battle de musique? Vous pensez vraiment qu'on a une loyauté aussi légère? Eh bien, vous avez parfaitement raison. Bienvenue au QG du fan club officiel Dead Punch. Hein? Oh, regardez cette déco. Ils sont juste trop pas par-dessus Kakouak. Ah, c'est génial que vous soyez ici. C'est ici qu'on va passer tout notre temps à discuter de quel point un Death Bull, c'est trop cool. Eh ben, j'imagine qu'on s'est volé à chaque fois qu'on aura besoin de se faire regonfler l'ego. Je me regonfle tout seul. Même si c'est plus un fan club de Kakouak, je vais continuer à garder ma casquette à l'envers. J'ai enfin trouvé le moyen de hocher la tête sans la faire tomber, alors je vais pas mettre ça en là. Pour autant que je respecte votre démonstration de talent face à Kakouak, votre groupe manque vraiment de potentiel câlinage. Kakouak a son récemment avec Léo. Vous avez quoi à vous? Bonjour. Ok. Pardu. Je dirais pas que Yann est câlinable, surtout dans cet état. Est-ce que vous avez vu Babi? Regardez dans ta poche. Vous êtes inscrit à Bastard Group, n'est-ce pas? On vous suit. Même si il se trouve que dans le Basto, il y a d'autres groupes encore plus cool. Mais non, sérieusement, si vous trouvez des groupes plus cool que vous, dites-nous, hein. On changera les crypto. Grâce. C'est facile à arrêter un jour, par contre. J'ai rien contre la musique de Victoire, hein, elle est cool, mais. Elle est forte, déjà. Ok, c'est bon. J'aime bien la musique de Bobstead. J'ai bien retrouvé où j'habite par contre. Hey, le proprio n'est pas parti. Façon merci à Sté. Même si j'avais pas le cœur de dissoudre la fête, alors ça continue. Honnêtement, ça me dérange pas. C'est un rappel pourtant de notre victoire. Ouais. Fermez ça. Hein. Ça c'est jour. Ça c'est juste pour plaisir. Et non, c'était pas chez Porc que je voulais aller du tout. Mais bien chez moi. Alors. J'entre un code. On a perdu. Ok, on essaye. Le code. Vous, 7, 100, incroyable, sensationnel, gagnant! Oh, la victoire!
pour récupérer votre prix, allez au point collecte Gazdebo le plus proche, où on pourra envoyer le cadeau. Et bien, j'imagine que ce sera celui en ville, là où il y avait les inscriptions. Veuillez me dire votre code. Il faut que j'y aille pour récupérer mon prix. Allons-y. Allons-y. J'hésitais à la faire ou pas. J'ai entendu dire que vous avez volé la vedette à un clown qui s'appelait Capiaf ou un truc du genre. J'ai pas bien compris de quoi il s'agit, c'est probablement un random de toute façon. Pourquoi personne passe de Cutrick Cuttlebrander? Lui, c'est une superstar. Vous ferez pas autant les malins quand vous serez en présence de Cutrick Cuttlebrander. Je suis prêt à parier qu'il va nettoyer le sol avec vos faces. C'est ici le truc là? Hey Faye, comment ça va? Hey! Je crois que j'ai envoyé un colis à ramasser ici là. Hein? Ah oui, bien sûr, oui, bien sûr. désolé, j'ai pas eu mon café. Tiens. Ah, il y a une note. Qu'est-ce qui vous foutait? Comment vous avez trouvé ce code gagnant? Malheureusement, nous n'avons plus de prix à envoyer. Cependant, étant donné que le code n'a pas de date d'expiration, il est de mon devoir de m'assurer que le serment éternel est respecté. En substitut, je vous ai envoyé un peu d'argent de ma poche. J'espère juste que vous ne trouverez pas d'autres tickets gagnants. 1111 bobs ou... Il y a combien de Pognax? Ben mine de rien, il vient d'augmenter ma richesse de moitié. Hey, je crois que le trio a été réuni. Comment ça va, Lando? Je vais pas mentir. Ce type me casse les... Ce type me donne un mal de crâne. J'arrive pas à croire que je suis toujours en train de tatouer le même débilus. Chatouilleux. Je me souviens pas du combien de temps il est là. Peut-être que je devrais avoir une politique qui demande au client d'être assommé ou tué au préalable. Je penserais que ce serait chiant que ce gars prenne autant de temps à être tatoué. Mais ça donne juste plus de temps pour choisir quel tatouage. Pour moi, est-ce que les squelettes, c'est toujours cool? Quelle question stupide! Évidemment, surtout moi! Chope-toi un tatouage de moi! Sur ta tête! Waouh! C'est la pire idée que j'ai jamais entendue! Tu viens de te faire un ennemi! Que je fais déjà. Ah oui, Babi. Oh, Babi. Les gens dans le coin, ils parlent à quel point vous avez battu. Ils parlent que vous avez battu Kakouak là. Ah, c'est pas rien. Hein. Mais j'ai l'impression que les platines délicieuses auraient pu faire aussi. Et alors, c'est de eux que tout le monde parlerait. Et c'est pas juste parce qu'elles le méritent. Il mérite plus. Ouais, j'imagine que c'est pas très important, vu qu'elle participe à la passion des groupes. Et c'est là que tout le monde se rendra compte combien elles sont géniales. Elles vont gagner. Est-ce que t'as vu Babi, la superstar poisson? Non, je sais pas, on va aller au pub. Je comptais effectivement aller au pub ensuite. Il a fini sa soupe, lui. Ah, oh, ce potage. Quand j'ai commandé ce gros potage.
Tu sais, le bol, il est plus large en haut, donc... peut-être que t'en as déjà mangé plus que tu le penses. Ouais, tu as raison. Merci, étrangère. C'est justement la hantée de moral que j'avais besoin. Et je vais reprendre avec une vigueur nouvellement trouvée. D'accord. J'ai décidé que je vais faire une carrière en solo. Attends, quoi? T'as pas rencontré Danda? Non, pas une fois. Quand je me suis rendu compte que j'étais recherché par des... par des chasseurs de talent, je me suis rendu compte que mon talent devait être rare et très demandé. Ah, imagine ça. Nati, le batteur de cuillère, en direct en concert. Ce qu'il me faut, c'est un manager, de préférence quelqu'un qui a de l'expérience avec les groupes. Ouais, bah bonne chance avec ça. Moi, je m'en charge pas. Je m'en lave les mains, tout de suite. Bonjour, bienvenue au... à la boîte qui teinte. Est-ce que je peux vous aider? On est juste là pour demander des pistes sur des criminels diaboliques. Quoi? Si vous avez vu un poisson en plastique géant qui chante récemment? Non, mais j'ai croisé des gens suspects en venant au travail. Ils étaient déguisés avec des capuchons et ils trouvaient quelque chose de gros. Mais c'était couvert avec un genre de drap. Il se balade dans la rue avec un capuchon. Peut-être qu'il faisait du LARP. Ça m'a l'air assez suspect. Vous savez dans quelle direction ils sont partis? Je pense qu'ils ont pris à gauche après Quackstack. Wow! Comme c'est informatif. Quel employé de bar de qualité. Content d'être utile. Hé, trop de cul, t'as dans quoi? Donnez une augmentation à cette gonzesse. Quoi? C'est pour le premier jour? Je crois pas, non. T'es pas chier. Ben, d'habitude, quand les gens sont aussi chiants, au moins, ils ont dépensé beaucoup d'argent ici. Ici, j'ai vraiment le pire des deux mondes, hein. T'as quoi? Yann, allez, antagoniser le propriétaire du bar, c'est pas très héroïque. On a eu ce qu'on est venu chercher, alors allons au Quarkstack. Ouais, j'imagine. Très bien, allons-y. Non. Oui, elle est géniale, mais son sourire est très forcé. M'en fous, tu vends des... C'était pas ici qu'on pouvait acheter du soda? T'as des trucs, toi? Non, t'as les gueules de bois? D'accord. Le cacouac, donc. Quackstack. T'as des trucs, toi? Toi! Tu as souillé le nom de cacouac! Eh ben, les nouvelles vont vite. La vie qu'il a écrit sur le burger n'a plus aucune valeur maintenant. Qui va vouloir manger un burger soutenu par un paysan? Vous avez ruiné notre business. Ouais, mais est-ce que t'as vu quelqu'un avec un poisson genre qui chante? Il va peut-être bien, trop du cul. T'es le pire qui se sont arrêtés pour manger un morceau avant de partir. T'es le pire que je sais où ils sont partis. Ok, tête de graisse. Dis-nous ce qu'il faut qu'on fasse pour que tu nous aides. Étant donné que vous avez ruiné mes affaires, je pense que le moindre des choses, ce serait que vous répariez les dégâts. Et vu que vous avez l'air de gagner la popularité après votre victoire contre Cacouac, eh ben, si vous écriviez un avis sur nos burgers, en échange d'un peu de prestige sur mon mur. Enfin, pour ramener un peu de prestige sur mes murs. Et si on n'aime pas les burgers? Eh ben, soit vous mentez, soit je vous dis pas où est passé le poisson géant. À vous de choisir. Ouais, je vais le faire. J'adore la cuisine de Cacouac. T'étais même pas là. Reste en dehors de ça.
Allez, Faye, je sais que tu les adores. Tu viens ici tout le temps après tes longues sessions au bar. Donne-moi quelque chose à encadrer. Ok, ok. J'appellerais bien ces burgers délicieux, mais j'ai déjà une amie qui s'appelle Délicieux et je voudrais pas qu'on croie qu'on l'a confondu avec un burger. Mais c'est des très bons burgers. Qu'est-ce que c'est que cette amie de merde? Et je sais pas, je me suis dit que c'était rigolo. Bon, bah il y avait au moins un adjectif positif dans le tas, donc ça me va. Je ferai ça encadrer dès que je peux. Et pour ma part, ils sont partis à la base barre. Ou la base basse. Faut pas savoir, c'est toujours le même jeu de mots. Hein. Une basse et un bar, le poisson. Le poisson, le bar. En anglais, c'est le même mot. Ouais, tu aurais deviné. Ouais, bah maintenant, vous avez un témoin oculaire pour vous soutenir. C'est vrai. Basse aura... Oui, le connard qui vend des basses. Oui. La basse va avoir du mal à nous envoyer chier maintenant. Une review de... Les burgers Quackstack sont la seule raison pour laquelle quelqu'un voudrait visiter cette ville de merde remplie de glandus. Je recommande le burger Quack. Rien qu'au nom, vous savez que c'est le meilleur. C'est Quack. D'accord. C'est le trou du cul. La base passe. Faut faire des vêtements, aller emmerder quelqu'un d'autre. Bien essayé, bah. Mais on a un témoin. On sait qu'il y a des individus suspects qui sont venus ici et qui n'en sont pas sortis. Vous allez pas laisser tomber, hein? Non. Bien, d'accord, oui, j'ai un business secret souterrain, voilà. Waouh! Quel genre d'opération dépravée tu mènes? Des studios d'enregistrement pour que les musiciens répètent et s'enregistrent. Oh, c'est pas dépravé du tout. En fait, c'est même plutôt le contraire de dépravé. C'est genre... dépravé. Ouais, ben, pourquoi c'est secret? Je préfère garder un profil bas pour que les musiciens célèbres puissent s'enregistrer ici sans se faire chier avec des millions de fans qui traînent à l'entrée. Et puis c'est bien intéressant, ouais, c'est le mec, tous ces putains de civils. Ils ont dû emmener Babi en bas, on y va! Écoutez, si vous devez vraiment descendre, essayez au moins de gêner personne. J'ai vraiment pas besoin que vous fassiez fuir ma clientèle. Très bien. Oh. Super. Et bon, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Et on poursuit au prochain épisode. Au revoir à tous et à la prochaine.